Bonjour. Hi. A little bit of scar there, and that's it. Then across here. Yeah, my coordination is still a bit like funny, like this side of my body. Yeah. From hitting the rock. So, other than that, I don't know. I feel normal. La Bron, ouais. Ouais, je vois bien. C'est entre les Français et les Dalles. Ouais, je vois aussi. Donc voilà, on est en train de le rappeler parce qu'il fait route sur Anterne là. Ouais. Il venait de décoller de... Ouais. Tu te tiens prêt ou bah, le hélico va nous récupérer. Il y aura peut-être deux hommes de la deuxième équipe derrière. Bah, il y a une personne qui a dévissé, un alpiniste qui a dévissé dans la voie des Français ou la voie des Dalles au pouce. Donc apparemment l'alpiniste est inconscient. Donc là on prépare vite le matos, il y a l'hélico qui nous récupère. On va se faire treuiller dans la voie et puis on verra ce qu'on fait sur place. Et on va trahir le jeu de la victime. Écoute, là il y a Poutsi qui est au relais, il y a le gars qui est pendu au bout de sa corde, là je vois du sang partout. On est sur zone, c'est bon, on va attaquer les treillages. Ok, je te laisse bosser. On va nous poser là et on va médicaliser ici. Parce que les cailles où ils étaient vachés, c'était monstre pourri. Ça a du sang. C'est son équipier ça? Ouais, bravo Lima pour Crampon-Henard, si tu peux poser le mec sur le glacier plus haut sur le névé. It's really shocking seeing everybody else looking so sick and stuff. And, like, it's not because they've had a fall, but because of you and what happened to you. So it's yeah, it's quite shocking. Son intubation. Le respirateur est mis en, il est branché quoi. C'est bon, tu l'as tué? Ouais, c'est bon. Tu peux mettre le respirateur à la place? Il s'est mis en arrêt ou quoi? Non, non, c'est bon. T'as fait du scotch? Ah putain. Nickel, ça marche. Tiens, file-moi le scotch là. Je vais le tenir pour l'instant. Vas-y, petit, vas-y. Ok, on se le met sous respirateur, sous machine. Ouais. Ouais. On va aller brancher là. Il va se réveiller, hein, d'accord? C'est normal. Ah, pardon, ouais. Oui, mais attends, il est branché, attends. Tu veux le bag? Eh, c'est bien. Ouais, ça va à peu près là. Là, tu vois, c'est beaucoup plus calme quand il est dessus. Ils sont intubés comme ça. C'est beaucoup plus détendu parce qu'ils râlent pas, ils souffrent plus. Il avait le casque, sûrement. Il a un helmet? It came off. Ok. Donc, trauma crânien, Glasgow 4, intubé, ventilé. Je vais demander à un hôpital de Chamonix. Là. On va pas aller à Sallanches. Il faut qu'on fasse un bilan avant d'y aller. Après, il faut que tu organises un transfert secondaire sur Genève aussi rapide que possible. Difficile à vivre ces situations? Non, parce que c'est pas difficile, on est pris dans l'action quoi, on se posera des questions après quoi. Faut demander ça à Philippe qui était, puis à Laurent qui était dans la, face toi. Ouais, ça retourne doucement. Il est parti hein. C'est déjà pas mal. Non non, c'était impossible de se faire treuiller. Putain, j'étais mal là-bas dessus quoi. Je me suis douté, mais moi je pouvais pas me faire treuiller sur lui non plus directement. Ah, non, parce que j'ai vu les cailles en haut. Non mais c'était costaud, hein. Tu y allais là où ils sont allés? Ah non mais là où ils sont eux, mais sur quoi ils tiennent au-dessus? Quand il t'arrive un truc de cette gravité là, je pense que ça doit être vraiment la libération de voir les secours arriver, je pense. Pour eux là. Ouais. Je regrette pas mon choix. La chance qu'ils ont eue, c'est que l'autre cordée, ils n'étaient pas seuls, quoi. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas de radio, ils n'ont pas de téléphone. Et malgré tout, ben maintenant, ça sert quand même, quoi. S'ils avaient une radio et un téléphone, bon, c'est bon, ils sont autonomes. Là, il n'y aurait pas eu la cordée à côté, ils restaient pendus, et puis ils pouvaient appeler help, là. Il n'y a personne. Hein? Il n'y a personne. T'es content quand t'as fait un truc comme ça, là? T'as servi à quelque chose? C'est pas... C'est du vrai ça, c'est pas du virtuel. La pression tombe là. Ah. Putain, dès que l'hélico est parti, c'est bon. Ça a relâché. The normal route, what if I say? I would like to climb again. What type of mountain, I'm not sure yet. I don't know whether I'll have the same confidence as I had before. I'd be very happy if he kept his feet on the ground. But I suspect he'll probably want to climb again. But I hope with a lot of sense. Mm. C'est surtout les toubibs quoi qui nous posent soucis. Ouais. Surtout les jeunes quoi. C'est-à-dire qu'on essaye de casser la gueule au pilote de temps en temps, comme il se chie dessus là. Là on l'a poussé mais il est allé quand même. Ouais, il a fallu, tu sais. Vous voulez pas y aller au début? Vous voulez pas y aller là. Non mais j'y vais pas. Allez vas-y, allez. Voilà. Des crêpes avec de la confiture maison. C'est exactement pour ce genre de secours que je fais ce métier. C'est pas du ramassage, c'est pas une évacuation de confort, c'est un mec qui est blessé, qui souffre, qui a besoin de soins, qui a besoin d'être évacué parce qu'il peut pas descendre tout seul. Donc voilà, c'est là où, à mon avis, où est vraiment notre place. Quoi. Par rapport à un SMUR où il y a toujours un médecin, une infirmière, des gens qui t'aident, là tu es tout seul. Tu as les gendarmes qui t'aident, qui sont très compétents pour ça. En fait, tu n'as pas le temps de penser. Par contre, dans un deuxième temps, c'est en fin de journée ou le soir quand tu rentres chez toi, là tu penses des fois à certains trucs que tu as vus. Ça m'arrive aussi de les penser quand tu grimpes, quand tu fais des voies, bah, des fois tu ne peux pas t'empêcher de dire bah, tiens, j'ai ramassé quelque chose ici, quelqu'un ici, j'ai vu ça ici, et tu penses. Tu mets un frein de plus, tu mets un coinceur de plus. Voilà. Ouais, non, non, mais dans l'ordre hiérarchique, normalement. Jimmy. La mort fait partie intégrante de la pratique de la montagne. Quoi. Tu as perdu un ami, tu as perdu un frère ou un compagnon de cordée. Ça arrive, ça fait partie de notre pratique. Que la montagne apporte plein d'autres joies. Quoi. En tout cas, moi, elle m'apporte beaucoup plus de joie que de tristesse. Donc c'est pour ça que je continue à la pratiquer. Mais tout en sachant que des fois, c'est ça. On peut simplement, avec des petits trucs, éviter que ça se transforme en tragédie. Quoi. Une belle journée se transforme en une horreur. Choc et c'est bien enflé déjà. Ouais. Et au niveau des mouvements, tu peux bouger un peu ton genou ou pas? Ouais. Mais ça, ouais. On va te mettre la telle et puis après on se mettra à plusieurs pour le porter jusqu'à la machine tranquillement. Quoi. Ça va pas être le grand secours du siècle. Quelqu'un peut à la rigueur donner une main. Ça dure ça un petit peu déjà. C'est le quotidien du PGHM aussi. C'est pas que les grands secours dans la face nord des droites, c'est aussi tous ces petits secours du quotidien qui sont importants. Bon. Sur une année en fait, sur les un peu plus de 1000 secours qui sont réalisés, quasiment 30% c'est des secours qui sont réalisés en randonnée pédestre et sur ces 30%, je dirais que 80% c'est des petites pathologies, c'est des entorses, c'est des gens fatigués, c'est des gens qui ont en altitude pour l'alpinisme des mal aigus des montagnes, enfin c'est ce registre de ce qu'on appelle la bobologie. Mais si on devait faire que du secours hyper technique, on serait usé, je veux dire, les gens ils résisteraient pas, je dirais, mentalement et psychologiquement. Donc l'alternance d'un secours avec une technicité relativement faible et surtout un engagement moral et affectif assez faible, c'est sympathique de faire ce type de secours, fait que c'est viable, les journées sont acceptables pour les secouristes. Tu vas te mettre au fond. Ici à Chamonix, l'organisation du secours est particulière. D'abord, elle est fondée sur cette histoire qui date de plus de 40 ans d'expérience commune. Ce qui fait la force à Chamonix, c'est la complémentarité des équipes, à la fois de la part, bien entendu, des gendarmes secouristes, des équipages de la sécurité civile et de la gendarmerie, et aussi des médecins. Donc c'est cette équipe qui travaille dans une proximité avec une très forte technicité montagne et une culture montagne partagée par l'ensemble des partenaires, qui fait l'efficacité des secours ici. Cordial pour Crampon, il y a 3 gars qui ont dévissé à la Petite Verte. Ils sont tombés dans l'arrimée, 2 ont déjà été dégagés, vous devriez les croiser en montant. Et l'autre est toujours en haut en train de se faire masser et ventiler. Terminé. On va tirer. Sur la trace, il est juste à l'arrimée sous le sommet, il me disait les gars. Juste sous le sommet à l'arrimée. Ils sont où par là? Ah, ils sont plus haut, ouais. Ok. Ouais, attends, il y a le tout-bib, là on va le regarder maintenant. Okay. Bah ça va, il bouge. C'est bon, descend. On va monter. Voilà. C'est quoi ça? Oxygène. Ça va? Ok. Descendez, allez, bien chaud. Salut. On pose une eau pour Cordial. On continue de grimper pour rejoindre le troisième. Faudrait peut-être prévoir une ambulance au pied du téléphérique pour les deux autres, là, pour l'hôpital de Chamonix, reçu. Oh, moi j'étais à ce qu'on appelle la salle à manger, quoi. On était là, on attendait qu'ils arrivent. Parce que bon, c'est un truc. Alors quand on a vu qu'ils étaient tombés, on a couru pour essayer de les avoir, pour les aider, quoi. Mais bon, on ira faire tout de suite. Parce que c'est de la poudreuse. On va se renseigner pour une place, hein. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais premier de cordée, il y a quelqu'un qui a dévissé dans ma cordée et bang, enseveli sous la neige. Puis après, je sais pas très bien. Attendez. Je fixais le relais et il y a une plaque à neige qui est partie. Donc vous êtes parti le premier? Je suis parti le premier, oui, et les autres m'ont suivi. Ils m'assuraient sur le piolet. Est parti, à mon avis, tous les trois. Je les ai retrouvés au bord de crevasse, donc j'étais le premier au fond, évidemment, retenu par la corde. On pose une eau pour Cordial. Ouais, bien. On vient de faire la jonction avec le troisième. Il est toujours en train de se faire masser et ventiler. C'est un corbeau là, Babette. Si tu vas, c'est pas le tout vide. Ouais. C'est un truc béton. Voilà, c'est bon, laisse la corde, c'est bon. L'autre, pas inconscient et bien repris, l'autre. Vous l'avez vu? Voilà, et le troisième qui avait rien. Ouais, il a les dents cassées, voilà. Mais ça va. Ouais. Vas-y, prépare la bouteille. Là. Il avait un peu de merde dans la gorge, on l'a fait, on l'a tout enlevé, et puis là, on le ventile depuis tout à l'heure, ça va bien. Il était bleu quand vous l'avez sorti? Non, il était un peu rouge. Dès que j'ai dû dégager son visage, il a revenu la lèvre, donc on y est allé, mais je crois qu'il est resté enseveli quand même plus d'un quart d'heure en tout cas. Peut-être retirer mes chaussures là. Oui, il a descendu la pente debout. D'accord. Et ça allait. Ça allait. Okay. Attends. Vous avec moi là? Alors le premier là, donc c'est lui qui a dévissé, qui était le premier. Pierre. Et lui, 37. Allez Pierre, reviens. Allez. Vous me dites quand c'est prêt pour le TPG. Ouais, un peu vers moi, il faut le poser. Voilà, super. Il faut le poser. Posé. Cordial, je te fais un point. Écoute, il a repris l'activité cardiaque. Attends, je vais lui brancher les électrodes du défi. Comme ça, s'il nous fait un gag. Doucement, il ne faut pas presser. Là, il peut là, mais... Donc le plafond est bien dégagé, il y a un léger vent, mais je pense que ça peut faire avec la machine s'ils veulent venir récupérer notre victime là. Oui, bravo Lima est à Sallanches, on t'envoie l'hélico privé tout de suite. On continue à descendre? Allez, ouais. C'est bon, il est toujours là? Ouais, toujours là. C'est bien. Et doucement Tony, que j'étais en tension, que je repars. On va bien faire un point encore. Assieds-toi. Je suis là dans une salle. Ouais, j'entends la ferme. Ouais, il va s'occuper de toi. Bien, ouais. Merci. Il se rebouche. Il repart bon. Ah oui, c'est vrai, il se redécolore là, regarde. Ah, il se redécolore. Allez, allez. Putain, il a tenu le coup là. Allez. Ah, mais il avait le... Cordial, on a un problème là, le cœur s'est de nouveau arrêté. Ça, on va ouvrir plus large. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Risque cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. Appareil en charge. Délivrez le choc maintenant. Choc délivré. Allez, repart. Allez, on masse. Allez, tu si tu veux contrôler. Hein. Attends, on va masser. Allez, ça tourne la pompe. La pompe tourne. Attention. Tant que le cœur il tourne, ça tourne. Ouais, le problème, c'est que... Allez, on passe. Bravo Kilo pour Crampon Gonzalez, on arrive sur vous dans 10 secondes. Pourquoi la tourne la terre? Il y a ses crampons. Il y a son crampon qui est par là. On peut dire un grand merci à tous ces gens-là parce que. Et puis rappeler à tous ceux qui m'entendront peut-être qu'à la montagne c'est dangereux parce qu'on est là, on est juste là tout en haut de l'Ognan. Hein, la balade qu'on a fait aujourd'hui c'est une balade de 2 heures, 3 heures, c'est la haute montagne, on croit qu'on est en sécurité et puis il arrive des accidents comme ça, si ça peut servir à d'autres. Là en fait il y a deux choses, il y a le pronostic vital qui est engagé à très court terme. Et puis, si toutefois on arrive à faire quelque chose du point de vue mécanique, le principal risque, ce sera les séquelles cérébrales, quoi. Il risque d'avoir des... de ne pas reprendre une fonction intellectuelle totale. Mais bon, là, c'est un petit peu trop tôt parce qu'il peut être hypotherme aussi. Pascal, voilà, faut que j'y aille. Ils t'attendent, c'est urgent. Tu repars avec Grand Bolivar. Allô, bonjour, c'est le Pascal Le Naba, le médecin là, qui était sur place. Vous êtes un ami de... Donc bon, il est dans un état très critique, puisque suite à sa chute, il était en arrêt cardiaque et respiratoire. Là, si vous voulez des informations plus... Ouais, je pense que c'est mieux, voilà. Donc là, tout est en train de se jouer au désocage de Sallanches. Voilà. Voilà, au revoir. Bah, ça fait partie des trucs pénibles, quoi. À la limite, c'est ça qui est le plus... Ce qui est le plus pénible, c'est l'entourage, tu vois. Tant que tu es sur place, tu es dans une logique de gestuelle, dans une logique de technicité, tu as des choses à faire, tu n'as pas le temps à la limite de t'émouvoir, quoi. Après, quand tu commences à voir l'entourage, les gens qui s'inquiètent, les pleurs, tu dois commencer à rentrer dans des explications... Tu perçois l'émotion, quoi, si tu veux, puis là, t'as plus grand chose d'autre à faire qu'à t'émouvoir, quoi. Là, ça, c'est dur à gérer, quoi. Donc, enfin, bon, c'est aussi partie du boulot, quoi. Voilà. Voilà. Elle est restée longtemps inconsciente, elle a une mitriase bilatérale. Moi, j'y vois pas bien, non. Mais enfin, peut-être que la médecine fait des prouesses et puis ils vont peut-être le sortir de là. Enfin, à mon avis, il est mal barré. C'est clair que quand tu te bats pour essayer de faire vivre quelqu'un, tu as envie que le résultat soit positif, quoi. Sinon, on ne le ferait pas, quoi. Et puis, c'est sûr que quand ils sont à la limite de mourir ou de vivre, si nous, on peut faire basculer du bon côté, c'est clair que c'est pour ça qu'on fait ce boulot, quoi. Ouais, c'est surtout pour ça, ouais. On pourrait plus faire d'autres secours si psychologiquement on n'arrivait pas à faire le pas, quoi. Donc ben, on fait le pas en plaisantant, on fait le pas en racontant nos secours quand il se passe mal. En fait, on est quand même assez soudés et même quand on boit le café le matin et qu'on se raconte 2-3 secours et tout, c'est notre manière d'évacuer le truc qui nous reste un peu sur le cœur. Et le fait d'en parler avec d'autres, quoi, souvent entre collègues, souvent, hein, ça passe, quoi. On ne peut pas se poser des questions tout le temps pour tout le monde, sinon on fera autre chose. Les décisions. Je suis coincé là, tu comprends, moi. Malheureusement, j'ai pas les moyens techniques, les performances des moyens techniques dont on dispose actuellement ne permettent pas de tout récupérer, filer à Sallanches et d'être là 10 minutes après. On arrive à une succession de dysfonctionnements majeurs. Et après, derrière celui qui va se retrouver au tribunal administratif ou ce que tu veux, devant toute la cohorte de Lyonnais et autres qui viendront dire il y a des dysfonctionnements majeurs, il faut que ça s'arrête et c'est pour ça qu'on a pris des décisions, c'est moi ou les médecins qui travaillent avec. Je demande de secondaire déjà sur... Tu veux l'identité des jeunes, là ? Donc là, en fait, l'hôpital de Chamonix est sur la sellette depuis plusieurs années. Et actuellement, il y a des démarches fortes de l'administration pour le fermer. On est astreint, au lieu d'évacuer sur Chamonix, à s'éloigner un peu plus du lieu de travail qui est Sallanches. Donc ça, c'est des délais de vol. Ça a l'air de rien de dire c'est 10 minutes de vol dans un sens, 10 minutes dans l'autre. Mais derrière, c'est une succession de décisions que l'on doit prendre pour pallier tel ou tel risque, telle ou telle situation, telle ou telle urgence. Est-ce qu'il faut privilégier... la sécurité du secouriste, l'urgence pour la victime, c'est des choix qu'on ne soupçonnait pas être amené à réaliser comme ça. En 2001, c'est inconcevable. L'hypotherme est mort. Comment ? L'hypotherme est mort. Ouais. Oh putain, ça a déconné. Et ça a déconné, mais qu'est-ce qu'il a eu comme idée pour aller... Comment il a fait pour aller sur Sky? Mais tu te rends compte? Mais ouais. Ben, il l'a peut-être pris au bord. Ouais, il a pris au bord. Et puis il a dû aller un peu nager. On lui demandera à mort. Il était sur la berge, il est monté sur un bout de glaçon en pensant juste faire un petit tour comme ça en restant au bord de l'eau. Et puis en fait le vent s'est levé et il s'est retrouvé à être poussé au milieu du lac. Là aujourd'hui un iceberg au milieu des montagnes avec un type dessus. Demain ça sera peut-être une locomotive à l'envers des aiguilles, pourquoi pas. Non, non, il n'y a plus rien qui nous étonne. Un voilier sur la mer de glace. Un voilier sur... Ouais, des pompiers aux flammes de pierre. Ouais. Rocco Siffredi au Grand Monté. À partir du moment où c'est pas dramatique, hein, on peut toujours en rire. Toujours. Dans le massif, les gens déambulent dans tous les sens, alors il se passe de tout. Un parapente tombe sur une ligne de haute tension de 20 000 volts, 60 mètres au sol. Et le gars, il était dans sa voile. Et pendant que je me fais treuiller, il me prend en photo. Ah oui, d'accord. Alors je lui dis ça va, vous avez le moral? Il me dit non, pas du tout. Ah, j'ai dit bon non plus, parce qu'on est comme deux oiseaux sur un fil électrique. On était tous les deux, voilà. Puis ça s'est bien terminé, puis ça fait une petite amitié entre nous deux, on se téléphone de temps en temps. On n'est pas super-héros. C'est pas parce qu'on a un uniforme et qu'on est dans un hélico qu'on est les super-héros. J'ai pas besoin de ça pour être un super-héros. Quand je bois mon petit canon le soir et que je chante du Luis Mariano, je suis déjà un héros. Quand je vais chanter à la chorale à l'église, je suis un héros. Parce que je suis chantant ténor, donc voilà. C'est le fait de vouloir être au service des autres, tout simplement. Donc ce métier, c'est vrai que c'est une belle terminaison peut-être à ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Anda, anda, Pepe. On vous servir, toi. Cordial pour Crampon. Ouais, t'as quelle météo toi sur Chamonix côté Col du Midi? Alors pour nous c'est complètement bouché, hein. On peut pas t'envoyer l'hélico, vous remontez le gars au téléphérique de l'Aiguille du Midi. Terminé. Okay. En général c'est les secours qui laissent le plus de souvenirs. En plus il a pas grand chose, mais bon, avec le mauvais temps, bon bah il peut pas remonter par ses propres moyens, donc ben, on le remonte nous, quoi. Les débuts du secours en montagne, ben, c'était tout à pied, hein, même quand il faisait beau. Donc c'est vrai qu'on y pense un peu, quoi. Voilà. Quand tu viens au PGHM, je pense que d'abord tu es quand même assez amoureux de la montagne. Et puis je pense que t'es quand même attiré par la notion de service, de secours. En fait, c'est quand même assez tourné vers les autres. Et je pense que les gens qui viennent là, au départ, il y a le côté montagne, mais il y a quand même le côté secours qui est palpitant, quoi. Allez, vous remontez assez rapidement l'aiguille pour aider là-bas. Ok, vas-y, roule. Allez, on y va. Okay, allez. Donne l'impulsion. Ok, c'est parti. Attends, on va le bloquer. Toujours rêvé de faire d'être guide, et puis si par hasard j'arrivais à être guide, de faire du secours montagne, ça c'est... C'est un rêve de gosse. Quand j'étais à l'école, quand on nous demandait de traduire, de résumer des bouquins, c'était toujours ou premier de cordée ou... Enfin, c'était toujours ça, quoi. Alors c'est vieux, c'est vieux. Mais c'est encore dans les tripes. L'humour. Ouais, ça arrive d'avoir peur, ça m'est arrivé plusieurs reprises, que ce soit la foudre, ça me fait très peur, que ce soit les chutes de pierre, les dangers objectifs en général, on maîtrise pas. Alors quand on s'entraîne, on essaye de maîtriser au mieux, on va dire, c'est-à-dire de prévoir, de ne pas se mettre dans des guêpiers. Par contre, quand on fait... Donne-moi du mou que je puisse me lâcher. Ah merde, pardon, excuse. Et quand on fait du secours, on est à la merci en fait de là où se sont mis les gens. C'est pas nous qui nous sommes mis dans le guêpier, c'est eux. Et après, il faut essayer d'éviter les pièges au maximum. Et la peur, elle fait partie de notre job. Et ça nous fait être plus rapide. Peur, ouais, comme tout le monde. Question qui passe. Et ma femme qui croit que je m'amuse. Ah ouais. C'est bon. Et on part à gauche quand on est lancé, c'est plus rapide, c'est plus facile pour nous. Ok, j'ai enlevé le pieu. Tu te décroches, t'es pas accroché. Non. Ok. C'est bon. Allez, go. C'est parti. Mac 2. Ah, Mac 2. Monte à Mac 2. Ah, Mac 2. Allez. Bloc. Mon meilleur souvenir, ça devait être en 90. On a sorti un gars après 1h15 de sous une avalanche, vivant. Il était léger hypotherme. Et quand on l'a sorti, il voulait voir le ciel. On voulait le coucher dans la perche, on n'arrivait pas à le coucher. Et il arrêtait pas de vouloir se redresser et puis il gueulait « Je vais voir le ciel !» Alors ça faisait rire tout le monde, on était... Un peu trop vite. Au moins 80 sur l'avalanche. Et on a travaillé pendant 1h15 et puis on a été récompensé par un vivant indemne de tout traumatisme à part une légère hypothermie. C'est la seule fois que j'ai vu ça, pour l'instant. Ok. Oh, abra, hop. Oh, abra, hop. Oh, allez, abra, hop. Oh, allez, hop. Oh. Philippe, monte plus loin. Vas-y. Je le tiens. Monte sur ta gauche, Philippe. On va descendre dans la vallée, va faire le triage de Manu, je prends son identité, tu pourras nous récupérer au même endroit. Bravo Lima pour Cordial, on vient de récupérer les trois gars indemnes sur l'arête des ecclésiastiques, on les a déposés au refuge du couvercle et nous on rentre à la DZ. Un des trois passera ce soir à la base, terminé. fois que la difficulté est passée. C'est beaucoup le secours qu'on pratique, c'est des gens qui ne connaissent rien à la montagne. Ils prennent du retard, ils se retrouvent dans des conditions difficiles et ils réagissent mal, quoi. Donc ça va souvent vers l'accident. Donc vaut mieux intervenir avant que aller du côté dramatique et puis aller vers l'accident, quoi. Ces alpinistes qui étaient bloqués techniquement parce qu'ils ont mis pas mal de temps et puis les conditions sont assez bonnes et donc leur conclusion c'était que les conditions ne leur convenaient pas, etc. Donc je pense que surtout ils n'étaient pas prêts physiquement et techniquement pour affronter ce genre de course. À avoir l'habitude parce qu'on en fait quand même pas mal des ramassages de personnes qui sont pas particulièrement en difficulté et puis qui ne se battent plus en montagne, quoi, comme ça pouvait se faire avant. Tu vas venir? Ouais, tu viens? Avec la facilité de l'appel, avec les portables, et ben ils se déresponsabilisent vite fait, quoi. Là, tu peux pas les mettre dans le sac? Il faut les mettre dans le sac, tu peux pas? Non. Bien, viens voir, je vais te les mettre moi. Il y aura des trous dans le sac après. Écoute. Parce que le sac, c'est pas vous carrément. Ouais, alors écoute-moi bien. Nous, si on est ici, c'est pour vous secourir. On n'est pas là pour s'occuper de matériel. Une fois que tout le monde est revenu au calme, parce qu'ils étaient un peu excités, et ben, il faut un peu leur expliquer qu'il faut qu'ils se renseignent sur les conditions de la montagne, que, sur la course qu'ils envisagent de faire. Et puis, s'il s'agit d'une course d'envergure comme cette course, et ben, on se prépare techniquement et physiquement, qu'on ne s'y lance pas comme ça. C'est un peu facile après de nous appeler en disant qu'on est bloqué alors que tout va bien. Merci beaucoup. C'est comment ça du transport? Bah, disons qu'on était en bonne santé. On ne fait pas des épannages, quoi, on fait du secours. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah, on s'est lancé dans cette voie qui était gavée de neige, quoi. Ouais. Puis là, bon, bah, il commençait à se faire tard. Tous les versants au soleil, on voyait bien que c'était pourri. De toute façon, on n'allait pas pouvoir redescendre le Whymper. Redescendre dans cette voie-là, ça paraissait long. Et puis, avec un peu de neige pourrie aussi. Donc, on a dit, bah, de toute façon... Ça descend dedans. La façon dont vous êtes monté, vous redescendez dans la même façon. Et puis au mieux, vous auriez pu continuer, quoi. Je veux dire, vu comme c'était, les conditions n'étaient pas mauvaises. L'horaire, c'est quoi? C'est 5-6 heures pour une course comme ça? Pour une course comme ça? Oui. Ah non, c'est une course d'envergure, quoi. Ça demande plus de 10 heures, quoi. De toute façon, c'est fait maintenant, mais c'est surtout que ça soit une leçon, quoi. Les pioches, tu les laisses, lui? Quoi? Les pioches? Ouais. Lui? Oh, c'est lui. Ça va? J'ai entendu à la radio. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe, Stan? Apparemment, ça a dévissé dans le Whymper à la verte. Donc on va aller voir, on espère, parce qu'il y a une personne apparemment, ou une personne qui bouge, donc on va essayer de faire vite. Voilà. T'as pris le guette? Qu'est-ce que je veux dire? Tu vois ça comment? 200 mètres sous le sommet, apparemment qui a dû rester accroché et qui bouge toujours. Didier, il nous prend à 3 avec le médecin puis on fera une dépose au couvert. Ouais, il est où le gars? D'accord, ok, j'y vais. Bibi, regarde. Je vais aller mettre sur le béquet au-dessus, là. Il y a un béquet au-dessus, nickel. Attention, Bibi. Attention, attention, Bibi. Voilà, c'est bon, c'est bon. Elle est partie avec l'hélico. Quand c'est des départs tôt le matin, c'est que c'est pas trop bon, quoi. Hein. C'est que c'est des gens qui sont tombés dans les premières heures d'ascension. Donc c'est souvent grave les départs du matin. En général, dès qu'il y a une mission avec un petit engagement, ben on suit du début à la fin. On attend que les gens soient rentrés à la maison. Pour se relâcher, quoi. Tant que les gens sont engagés sur le terrain, c'est un souci. Ok, Bibi, pour le bout. Ok. Tiens. Bravo Lima pour Cordial, je te fais un point. Il y a donc bien une personne décédée qui s'est bloquée dans la rigole centrale du couloir et elle retient son collègue en bout de corde en contrebas et l'autre, le Tobib s'en occupe. Ouais. Terminé. Il faut que tu nous remontes. Ok, donc je vous remonte le gars. Allez, c'est parti. Attends. Ok. T'en mis pas mal là, non? Là il est bien là, regarde, là il est nickel. Moi je l'ai bien là. Bravo Lima pour Cordial, on pose le blessé à l'hôpital et pour les identités, on vous laisse son sac à la base. Terminé. Ah, non, c'est pas vrai. Pas bon. Pas bon du tout. Qu'est-ce qui se passe, le bled? Bah, c'est une médaille de guide de la compagnie. Ouais, c'est pour essayer. Là, c'est important d'aller tout de suite informer le président de la compagnie des guides de cet événement, quoi, hein, la famille du client, enfin ça va pas être facile. C'est vraiment pénible ça, hein, c'est pas du tout pareil quand c'est des gens qu'on connaît pas, quoi. Là, on se retrouve vraiment de plein fouet à prendre en pleine figure plein de choses qui nous concernent nous aussi. Hein, c'est un guide, mais ça peut être un secouriste. En ce moment, on a plein de secouristes qui sortent en montagne, qui vont s'entraîner et ça peut nous arriver aussi. Donc c'est tout ça en fait qui nous est renvoyé en pleine figure dans ce type de situation. C'est notre propre vie, notre propre mort. C'est ça en fait qui est le plus difficile. Ça fait écho, c'est l'eau ? Ouais. Donc il a un traumatisme crânien assez sévère. Et après, il a un deuxième problème, c'est qu'il est en hypothermie. Donc, il était arrivé à 29 degrés. On essaie de réchauffer, mais il y a toujours une phase où il y a un refroidissement initial. Donc, on est à 27,5-28. C'est un patient qui nécessite de la neurochirurgie. Donc, dès qu'il sera stabilisé, dès qu'on aura une température, on va dire au-dessus de 30, pour qu'on puisse le transporter sans trop de risques, on va l'envoyer en hélicoptère à l'hôpital de Genève, où il est attendu. Tu sais, quand ça chauffe là, le Whymper, là, Sylvie, hein, je peux te dire que là, on ne serait pas resté. Hein. Là, en milieu d'après-midi, même maintenant, c'est encore à l'ombre, mais là... On a fait au mieux, quoi, je pense, Bibi. Hein. Le but du jeu, c'est de dégager une victime le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions, et puis de ramener tout le monde entier à la maison, quoi. Là, je viens de recevoir l'épouse du client décédé, Whymper. C'est un couple qui a 5 enfants. L'aîné a 15 ans, le dernier a 1 an. Ça restera certainement un moment fort, quoi, ça c'est sûr. Et aussi fort, j'irai aussi fort, voire peut-être plus que le secours en lui-même. Je pense que ça lui a fait du bien de nous rencontrer pour qu'on lui explique un peu ce qui s'était passé, les conditions du secours. Et ouais, ça a été un moment fort. Quand elle me parlait de son mari, je me rappelais un peu quand on s'occupait de lui pour le redescendre, pour l'évacuer. Et c'est un petit peu étrange, c'est un peu bizarre, quoi. T'as l'impression que tu l'as un peu connu, quoi, ce gars-là. C'est assez... Ouais, moi je crois que je me voyais bien au fond, dans un coin, au moment des funérailles, au moment de l'enterrement. Je pense que... je pouvais quelque part y avoir ma place, quoi. Dans ce travail, il ne faut pas jouer au costaud parce que on est des hommes comme tous et des gros durs qui ramasseraient tous les jours des alpinistes morts dans des courses sans aucune émotion. Je pense que ça n'existe pas ici, quoi. Ça, c'est pas vrai, quoi. Non. Non, non. Moi j'étais en train de grimper, donc j'ai senti une traction sur le bas. Là-dessus, après je sais pas ce qui s'est passé derrière, mais je savais qu'une chose, c'était un endroit qu'il fallait pas tomber à cet endroit-là. Donc j'ai juste eu le temps de penser que j'avais une belle vie, et puis que voilà, ben, j'étais loin. Et puis ben non, ça n'a pas voulu comme ça, quoi. Je suis un miraculé, mais grâce aussi à des gens qu'on su bien faire leur boulot à tous les niveaux. Et ça, c'est vrai qu'on ne le dira jamais assez, mais toute cette chaîne, pour moi, ça a fonctionné tip-top, hein. Je peux le dire, les 15 premiers jours, je pleurais souvent parce que... bon, c'était comme ça, hein. C'est plus quelqu'un qui m'a dit « Monsieur, il y a des choses, vous savez, vous pouvez les prendre comme vous voulez, c'est arrivé ce qui est arrivé, mais il y a une chose qu'il peut vous dire, c'est dehors que ça se passe. » C'est dehors que ça se passe. Donc, ben, moi, ben, voilà, si j'ai décidé de vivre, ben voilà, attends, il faut que je regarde dehors, donc il faut que je fasse ce qu'il faut pour sortir. Toi, tu es dans une spirale qui monte. Toi, ça va mieux, donc les gens qui sont autour de toi, ils sont aussi mieux. Et puis les gens qui... le gars, c'est-à-dire qui était avec moi, bon, ben lui, il s'en sort pas. Ça veut dire que sa famille qui est là, ben elle, c'est l'inverse. C'est vrai que quand on est guidos, il y a une règle de base, comme on dit toujours, c'est qu'il faut ramener son client. Et moi, ben, j'ai failli. C'est pourtant pas de ta faute. C'est ce qu'on dit, mais bon... mais c'est quand même pas satisfaisant. Quand je me suis réveillé, j'ai vu les deux secouristes et le médecin. Je me suis tout de suite senti sauvé par des personnes extraordinaires. L'alpiniste qui est décédé était mon fils. Cela fait maintenant 9 mois que je réfléchis à sa mort. Nous avons apprécié et nous tenions à vous en faire part, la rapidité et l'efficacité du sauvetage. Il vivait pleinement et l'alpinisme était sa grande passion. Par-dessus tout, c'est l'écoute et le soutien moral qui nous ont fait à tous très chaud au cœur. En fin de matinée, une petite dame nommée Monique terminait tranquillement une randonnée avec son mari. Elle descendait du Ranfoli pour rejoindre les Chavales. J'ai eu beaucoup de chance de vous avoir et que vous soyez aussi... La fatalité a voulu que ce bonheur simple se transforme en accident stupide avec tout ce que cela implique. Ayant été victime d'une avalanche le samedi 16 janvier 1999, je ne trouve pas les mots pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Il y a des choses qui ne s'oublient pas, avec toutes mes reconnaissances. Alexandre. C'est beau, non? Puis surtout quand c'est une avalanche et tout, bon... On a toujours une pensée pour le collègue qui est parti à la Tour Ronde, et puis pour les victimes du secours en montagne dans leurs devoirs. Donc on aurait préféré que la famille nous remercie aussi, plutôt que de les accompagner